Salut à tous, c'est Mister Freeze. Et on continue Suikoden 2. Donc je rappelle qu'on s'était fait capturer. En revenant chez nous, on se fait passer pour le traître, enfin pour les traîtres à la place du notre ex-capitaine et du Lucky Blight. C'est qu'ils ont toujours les mêmes têtes en fait. Donc leur expression change pas quoi. C'est des conneries ça. Pas bon. Eh ouais, y a pas mal de pourris dans le monde de ce que donne ici. Il y a pas mal de rebondissements, comme je l'ai dit, c'est que le début. Vous allez voir. Alors que Joey, c'est quand même quelqu'un de. Comme ça, il a l'air calme et tout, vous allez voir, c'est sympa. Voilà, là on a un peu de bâtiment. Entendez les bruits? Ça c'est trop bon quand même.
Ça j'aurais des idées. Et on est avec Victor et Fouque, level 20 comme vous voyez. Vous allez voir que c'est des tarés, hein. C'est des points. Hein. Voilà nos ennemis, ils viennent nous aller. Go. Bon lui c'est un bout en train. Hein. Cliquez plus raisonnable. Normal, c'est pas ici. C'est trop bon, elle se démerde toute seule en fait. Oiseau d'or, fleur bénie dans deux dragons, tu prends le dragon. J'adore. Son compte, fout de le mort en plein milieu de scène comme ça. Quoi. Allez go. Attends, je vais quand même voir s'il y a des trucs aussi. Ouais non, non. Et on se casse. C'est avec sa musique de fou et en plein milieu du fait, alors là, bon ça va. Oh y'a rien, merde. On s'en fout. Mais attendez, on est où là? Bizarre. Enfin bref. C'est un peu n'importe quoi les réactions de la voix. Un truc, c'est ce truc. C'est la merde de jouer, je crois. Enfin bref. Mais je tourne en rond, je fais n'importe quoi, mais... Je vérifie si c'est pas des trucs en partie. Au lieu d'aller au sud. Je laisse n'importe quoi, je fais ça en plein milieu, ça casse l'ambiance, mais c'est pas grave. Putain, vas-y, mais il y a bien des objets quelque part là, ça suffit. Et je suis entêté, mais là je suis sûr. Putain, mais on est là? C'est quoi ce délire? Hein. Bon, ça, si vous voulez, s'il y a des objets et qu'on peut pas les revoir après, voilà quoi. Mais bon, bon, je crois qu'on va s'en foutre. On va juste le perdre. Je vais regarder à l'auberge, c'est pas des trucs. Dégage. On va se casser l'ambiance. Bon, on va se casser puisque là c'est bon. Y'a rien.
Donc vous pouvez pas dire qu'il se passe rien dans le jeu en tout cas. En 4 vidéos déjà il se passait beaucoup de trucs. Plus que dans certains jeux en entier. Bon, sauf que maintenant vous allez voir la différence. C'est que c'est des timbres. Voilà, ça, ça fait 1,5 fois les dégâts normaux et on a une chance d'assommer 30%. Il a des trucs de d'éclairs de fou, regardez, des dégâts de malade. Et pour lui, bah, lui c'est un peu bon. Donc, il y a beaucoup de lui. Nouvelle rune. Bon, les runes, je vais pas vous les montrer à chaque fois que j'en ai une. C'est juste que quand je l'utiliserai ou je les mettrai sur les armes ou sur les persos, je vous dirai ce que ça fait. Enfin, vous verrez bien de toute façon. J'ai pas fait de conneries, moi. J'ai bien fait l'union avec lui et Panamani, quoi. Ah, c'est bon. On a gagné du temps, ça. Ah. Parce qu'on va essayer d'aller vite. Parce que j'ai perdu beaucoup de temps dans le village, mine de rien. Je sais même pas si ça vaut le coup de combattre là en fait. Attends, j'ai le temps de vous montrer ça. Allez, les dégâts tout le monde. Ça peut assommer en plus. Allez, vite. Là on a passé là où il y avait le boss avant. J'essaie de pas trop fuir, pas perdre du temps au cas où ça marcherait pas quoi. Je vous dis au début c'est tout le temps l'union de Joey, les autres Là à mon avis ça suffit encore. En plus on limite plus de dégâts que quand ils attaquent normal pour un perso. Faut qu'en plus c'est tout le monde. Ouais qu'on peut se dégager. Oh là là, et ça bise. Là, on voit la différence avec quand on avait Patrick et Victor dans l'équipe. De toute façon, on a un niveau beaucoup plus élevé en plus. Allez, on est bientôt arrivé là, au début. Enfin, parce que... le début que la fin. Bon non mais là c'est bon quoi. Voilà c'est ça la traduction de merde. Là vous avez pas vu mais... quand il y a marqué l'Askia c'est qu'on peut fuir à coup sûr en fait. Voilà ce que ça marque. Bon bon et son groupe était ont laissé parti. C'est pas la traduction pourrie ça. Ça veut rien dire. En fait ce qu'ils veulent dire c'est que bonbon là, là c'est le nom de l'ennemi. Et leur groupe ont laissé partir notre équipe quoi. Comme vous voyez là l'Askia à chaque fois donc on a 100% de chance d'y arriver à fuir. Vu qu'ils donnent pas assez de... d'XP de toute façon. Autant fuir. Voilà.
Trop bien. Ah, sur lui, ça a pas dû le l'enlever, on a vu. Bon. Go. Voilà. On va retourner là. Je sais pas si c'est bon tout de suite, mais... Ouais, il y a un truc à faire ici. Je vais vous dire ça. Merde, c'est où? Non, je crois qu'il faut d'abord retourner au QG. Ouais, il faut d'abord retourner au QG, je suis bête. Ils ont tous une personnalité, c'est ça qui est excellent. C'est pas des... Voilà, des persos neutres, quoi. Non, n'importe quoi. On est plus vraiment des prisonniers, mais plutôt des alliés, là. Enfin. C'est sympa hein, d'être venu sauver quand même. Ils font les cons eux deux. Dégagez. N'importe quoi aussi. Ça tape des gros dégâts des fois. Et là en fait on peut, elle nous permettra de... Voilà, d'échanger les persos. MC et tout, c'est la partie. C ça veut dire qu'il peut combattre corps à corps. M, les deux, et il y a je sais plus quoi. Elle, je crois, ou un truc comme ça. Enfin, qui veut dire qu'on peut combattre qu'à distance. Donc, genre, tout laisser, faut la mettre devant. Quoi. Alors, on pourra les recruter, comme ils disent. Attends, on va voir, c'est pas un truc à faire en bas d'abord. Je crois que ça sert à rien pour l'instant. Ah, si, on peut. Alors, votre argent, 40%, ouais. Alors, incrusté, non, aiguisé, on peut aiguiser nos armes. Alors, ça passe de 5 d'attaque à 6, génial. Ah, déjà niveau 2 la sienne. Joey, bof. Non, je vais pas commencer Joey. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Voilà, elle me permet de stocker. Donc, on a pas besoin de plusieurs. Ça, c'est pareil. Voilà, c'est pas un autre truc. Voilà, quand je vous dis 108 persos jouables, elle en fait partie par exemple. Le forgeron là. On en aura un autre plus tard. Donc. Plus 1, je pense plus 2. Plus 2, je pense plus 3. Donc on va se quitter ici. Bon, il s'est pas passé énormément de choses dans cette vidéo, on s'est juste enfui et revenu au port, mais bon, c'est le temps qu'il faut pour le faire. Je n'y suis pour rien. Donc on va commencer à recruter des persos, mais vous inquiétez pas, l'histoire va aussi avancer après. Il y aura plein de rebondissements comme maintenant. Ça va pas s'arrêter de sitôt, vous allez voir.
On va rentrer dans une vraie guerre prochainement. Mais pour l'instant, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Allez, salut!